Salut à toutes et à tous, c'est Karadas, on se retrouve aujourd'hui sur Sly 4, Voleur à travers le temps, pour encore une fois une vidéo grand chelem. Vous commencez à connaître les conseils pour les chasseurs de trophées, pour avoir votre trophée platine sur ce jeu. A savoir que c'est une exclue PlayStation, hein, donc il n'y a pas de. On ne parle pas de succès, mais bien de trophée. Donc on se retrouve sur ce superbe panorama cartoonesque un petit peu. Donc Sly 4, si vous connaissez pas, c'est. Le quatrième opus, évidemment, d'une série à succès qui a vu le jour sur PS2, qui a été faite par les studios Sucker Punch, donc ceux qui se sont mis sur les Infamous maintenant, donc Second Son qui arrive sur PS4 bientôt. Donc là, c'est. Alors voilà, comment expliquer ça? Donc Sucker Punch qui a fait la série sur PS2, Sly 1, 2 et 3, une excellente série, qui est ressortie en trilogie HD récemment. Faite par Sanzaru Games. Donc c'était pas les Sucker Punch hein, qui s'en sont occupés de cette trilogie HD. C'est, vous voyez, en style cartoon, en cel shading, donc ça vieillit pas trop mal. Les trois premiers ont pas mal vieilli, ils ont été remis en HD, et donc ils étaient super agréables à faire. Moi je connaissais pas sur PS2, j'ai appris à connaître la série donc avec la trilogie HD. Et donc cette trilogie HD, Sanzaru Games qui s'en est occupé, et Sanzaru Games remet le couvert pour ce quatrième opus qui est, voilà, je vous le dis directement, excellent de toute façon. Ceux qui n'ont pas craqué encore, achetez-le tout de suite. C'est un ordre. Mais non, vous pouvez acheter les yeux fermés. Bon, ça paraît, voilà, c'est très cartoonesque comme ça, un petit côté Disney, voilà, les personnages sont des animaux. On pourrait croire que c'est un peu enfantin, c'est vrai, mais il y en a pour tous les publics et pour tous les âges. Il y a une certaine profondeur quand même, un humour bien senti. C'est vrai que c'est un petit peu enfantin quand même, mais ça passe très bien pour les joueurs un peu plus âgés aussi. Donc jetez-vous dessus, c'est sans problème une valeur sûre de la PS3. La trilogie HD aussi, hein, si vous ne l'avez pas faite. Donc, non, je saurais que vous conseiller ce jeu. Hein. C'est vraiment excellent, du gameplay super agréable. Donc voilà. À noter aussi, quand même, je vous mentionne, histoire de. Voilà, avant de l'oublier, il y a un film qui est prévu pour 2015 ou 16, je crois. Un peu comme Ubisoft qui commence à vouloir mettre ses licences au cinéma. Il y a un film en préparation, Sony s'y met. Et il y a déjà un trailer qui est sorti, qui est plutôt très réussi. Donc, je vous conseille d'aller le voir hein, sur internet. Alors le principe, on va enchaîner tout de suite hein, sur les conseils platine. Le principe de ce jeu, c'est, comme son nom l'indique, Sly 4, voleur à travers le temps, donc on va parcourir les époques pour essayer de. On va dire, remettre de l'ordre dans le continuum espace-temps. C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas du tout la série, ça va être un peu plus compliqué à expliquer. On est un clan de voleurs, il y a Sly Cooper le raton laveur, Bentley la tortue et Murray l'hippopotame. Et donc Cooper qui. Mince, j'ai loupé le tapis. Non, c'est bon. Comme ça, on va se balader pendant que je vous explique. Donc Sly Cooper qui est issu d'une lignée de voleurs à toutes les époques. Et donc là, je joue un ancêtre. Un des ancêtres des Cooper. Donc il s'appelle Salim Al-Kupar. Et donc on est en Arabie, voilà, les 40 voleurs, cette époque-là. Et donc c'est pas mal comme jeu, vous voyagez aussi, vous voyez différentes époques, donc ça aussi ça fait partie des points forts du jeu évidemment. Donc issu d'une lignée de voleurs, et un matin, dans le Volus Ratonus, qui est le bouquin en gros, qui regroupe le savoir de toute la lignée, en gros, hein, c'est vraiment en très très gros pour résumer le truc. On s'aperçoit qu'il y a toutes les écritures qui disparaissent.
Et donc il y a un problème dans le continuum espace-temps, il faut retourner dans le temps pour remettre de l'ordre. C'est vraiment en très gros pour vous dépeindre le truc sans trop vous spoiler, je fais exprès de d'être approximatif pour pas voilà, spoiler ceux qui auraient pas fait le jeu. Et donc bah, il va falloir retourner dans le temps. On va parcourir 6 époques, et dans chaque époque, il y aura différents trophées à avoir. C'est pour ça que je dis ça. Donc, dans chaque époque, il va falloir libérer un ancêtre du clan Cooper. Donc, ça, c'est un trophée. Il va falloir terminer toutes les missions et battre le boss. Ça, c'est un autre trophée. Et il va falloir débloquer le coffre Cooper de l'épisode. Le coffre Cooper de l'épisode, ça, j'en profite tout de suite. On va faire Select. Quand vous avez Select, vous accédez à la carte, ça j'en reparlerai tout à l'heure, c'est un trophée aussi. Mais vous accédez au statut de l'épisode. Et donc là, vous voyez que bon, il y a des missions ou des objectifs éventuellement en cours. Évidemment, j'ai terminé le jeu, donc on n'en voit pas. Mais vous avez toutes les choses à collecter en dessous. Les bouteilles, 30 sur 30, c'est des genres de bouteilles à la mer. Il faut débloquer, enfin il faut trouver les 30 pour débloquer le coffre. Le coffre qui est le troisième en partant de la gauche. Hein. Donc il faut d'abord collecter ces 30 bouteilles-là, ensuite ouvrir le coffre. Et donc le coffre, comme je vous expliquais juste avant, il y a un trophée pour ça. Il y a évidemment un trophée pour collecter toutes les bouteilles. Ensuite le deuxième, ce sont des trésors qui sont disséminés sur la carte. De la même manière, il faut tous les collecter pour avoir des trophées. Et ensuite des masques. Les masques Cooper, ça il y en a dans les niveaux et il y en a aussi dans le monde ouvert. Enfin, dans le hub, ça je vous l'ai pas expliqué, mais enfin je vais revenir dessus juste après. Le système de jeu, donc bref, les masques, il y en a dans les niveaux et dans les mondes ouverts. Et donc ça aussi, il faut tous les avoir évidemment pour avoir le trophée platine. À noter que les trésors aussi, il faut tous les avoir pour débloquer des choses dans les repères. Donc ça, j'y reviendrai encore une fois tout à l'heure. C'est un petit peu. Bah, toutes les choses à débloquer dépendent d'autres, donc c'est un petit peu compliqué comme ça, mais de toute façon, faut vraiment tout faire à 100% pour avoir le trophée platine, ça c'est pas étonnant. Donc, je vais revenir vers la zone qui m'intéresse là-bas, et vous expliquer le système de jeu. Donc là, vous voyez qu'on est dans une zone ouverte dans laquelle je peux me balader autant que je veux. Et donc, le principe, alors on va remonter ici. Le principe, c'est que vous avez à chaque époque, chaque nouvelle époque que vous visitez, vous avez une zone comme ça ouverte qui sert de hub. Et donc là, il m'a repéré. Voilà, qui sert de hub. Et donc, vous vous promenez dedans pour aller chercher vos missions. Mais entre-temps, vous avez des choses à collecter dedans. Donc là, vous n'avez plus rien, mais c'est vrai que pour tout collecter, vous avez des zones secrètes, vous avez besoin des fois de l'ancêtre, des fois de Sly, des fois des uns et des autres, etc. Des pouvoirs de chacun, etc. Des éléments de gameplay. Donc ça, je vous dévoile pas. L'intérêt aussi du jeu, c'est de visiter et puis de voilà, de chercher, hein, tout simplement. Et puis c'est le principe des vidéos, hein. Encore une fois, je vous donne quelques astuces, quelques éléments de réponse, éventuellement pour des trophées un peu problématiques ou très spécifiques, mais je vous donne pas les réponses, hein, sinon il n'y a plus d'intérêt. Donc voilà. Le trophée le plus embêtant à avoir, quand même, j'en parle tout de suite, c'est le trophée des cartes. Il faut dévoiler la carte de chaque niveau. Donc quand vous faites Select, vous avez la carte ici, donc il faut dévoiler la carte. En fait, il faut ouvrir la carte tout simplement. Juste le fait d'ouvrir la carte et de requitter après, ça marche. Sauf qu'il faut le faire pour toutes les cartes du jeu. Donc, vous en avez une pour chaque zone ouverte de chaque époque. Vous en avez pour les repères, on ira tout à l'heure, hein, juste après. Et vous en avez pour chaque niveau. Et dans chaque niveau, il y a parfois plusieurs cartes parce qu'il y a plusieurs zones. On va dire ça comme ça. Il faut vraiment toutes les ouvrir. Donc, bah voilà, il n'y a pas vraiment d'astuce à avoir. Il faut juste essayer d'y penser dès le début du jeu, parce que sinon vous êtes obligé de rejouer tous les niveaux à ouvrir les cartes.
Et c'est un petit peu, c'est le trophée le plus pénible, c'est celui qui me manquait à la fin parce que j'ai oublié une ou deux missions et voilà, vous n'avez aucun moyen de savoir lesquelles vous avez ouvertes, lesquelles vous n'avez pas ouvertes. Donc si vous vous rappelez pas, vous êtes obligé de refaire tous les niveaux, donc ça c'est un petit peu pénible. Mais la seule chose que je voulais préciser, c'est pour ça qu'on est ici, c'est que dans cette zone ouverte ici, on est dans l'épisode 5, c'est-à-dire l'épisode final. C'est pour ça que ça spoil un petit peu, mais bon, je vous spoil pas du tout le scénario. Il y a une zone secrète. Donc, je vous montre la carte où on est, je vous remontre, on est ici. Dans les autres époques, dans les zones ouvertes comme ça, dans les autres hubs, il n'y a pas de zone secrète. Celui-ci, c'est une petite spécificité, c'est pour ça que je vous la montre. Faut vraiment pas oublier de faire ça. Donc on rentre dedans. C'est vraiment très spécifique, c'est pour ça que je voulais vous montrer celle-ci. Mais sinon, voilà, il faut juste penser à ouvrir la carte, il n'y a pas de difficulté particulière. Petit défaut du jeu, en passant, les temps de chargement qui sont un petit peu longs. Mais bon, j'essaierai de... Je les avancerai peut-être, je verrai. Donc là, on entre dans dans cette zone ici. Et vous voyez, quand je fais Select, c'est une autre carte. Donc, celle-là, faut y penser, c'est tout. A savoir quand même que ici, dans cette zone ouverte, ici, là, sur cette espèce de trampoline, il y a un masque caché. Donc, je répète, les masques, hein, c'est ce qu'il y a tout à droite, en bas à droite, ici, là, les masques de Sly à collecter. Donc, une partie sont dans des niveaux, une partie sont dans les zones ouvertes, voilà. Je repars dans le hub, on se retape un chargement, et puis on va aller dans le refuge, dans le repère, pour vous expliquer un petit peu tout le reste du système. Et puis ensuite, bah on ira plutôt dans une zone, dans une autre zone ouverte, dans une autre époque, pour vous montrer un petit peu, bah pour ceux qui hésiteraient encore, voilà, la diversité d'environnement aussi. Je vous en montrerai que deux environnements pour pas éventuellement trop spoiler non plus. Donc là on se retrouve ici, c'est assez sympa, hein. C'est mince. Je me fais, bon c'est pas grave, on va retourner au refuge. À savoir aussi quand même que pour ce trophée des cartes, le fait d'entrer dans le niveau, de mettre directement la carte et de ressortir, ça compte. Pour le trophée, il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de niveaux où bah, il y a plusieurs cartes, ce qui fait que vous êtes quand même obligé de rejouer tout le niveau pour pouvoir ouvrir toutes les cartes différentes. Alors là, on est dans le repère. Et justement, sur les cartes, quand vous faites Select, il y a une carte pour le repère, même si ça fait office en fait de menu, hein. Vous pouvez pas prendre un personnage et vous balader dans la zone. Donc ça, c'est un petit piège. Il faut bien penser à faire ça dans tous les refuges différents. Voilà. Donc, dans ce repère, vous accédez aux trésors. Ils sont tous à collecter. Ils sont disséminés. Alors, les trésors ne sont que dans les zones ouvertes. Il n'y en a pas dans les niveaux. Voilà. Alors, les trésors qu'on voit au milieu, c'est ce qu'on débloque quand on réussit à ouvrir les coffres. Les coffres, je le rappelle, qui sont accessibles, qui sont disséminés sur la carte aussi. Il y en a un par épisode, par époque. Faut le trouver et ils ne sont accessibles que quand vous avez réussi à trouver toutes les bouteilles. Les bouteilles, elles aussi, qui ne sont accessibles que dans la zone ouverte, pas dans les niveaux. Il n'y a que des masques, hein, en gros, qui sont accessibles dans les niveaux. À savoir que dans l'épisode 3, c'est-à-dire l'époque préhistorique, si vous réussissez à avoir toutes les bouteilles et donc à ouvrir le coffre, votre trésor. Son effet, parce que y a des effets à chaque trésor débloqué par un coffre, donc c'est un petit peu compliqué, hein, mais bon, enfin compliqué. Je suis obligé de vous expliquer un petit peu tout ça, on est dans les menus, c'est pas très drôle, mais bon. Donc le trésor qui est donné par le coffre de l'épisode 3, c'est-à-dire l'époque préhistorique, rend visible toutes les bouteilles et les coffres sur la map. Donc voilà. Si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez très bien faire l'épisode 3 en premier, comme ça. A savoir qu'il y a des petits clins d'œil, vous voyez. Un petit Daxter. Donc ça.
Un petit. Je crois qu'il y a un Ratchet et Clank. Hein. Ratchet et Clank aussi. Où est-ce que c'est? L'insigne du studio. C'est un singe comme ça. L'œil de Clockwork. Donc, ça, c'est un clin d'œil pour ceux qui auraient fait les premiers. Clank. Donc, voilà, c'est sympa. Il y a des petits clins d'œil aux autres franchises PlayStation. Donc, bon, c'est quand même. Il y a des clins d'œil, de l'humour. J'en profite ici, donc ça. Une fois que vous avez réussi à trouver tous les trésors d'un épisode, vous débloquez la borne d'arcade. Borne d'arcade, c'est un mini-jeu. Qui sont différents. Il y en a un par époque. Et il faut battre le meilleur score. Vous voyez que, par exemple, ici, c'était 4500 par Bentley, 4000 par Sly Cooper, 3500 par Murray, etc. Et 3000 par Carmelita. Donc le principe, c'est qu'il faut battre le score dans chaque borne d'arcade. Il y en a une par époque. Donc les 5 époques, plus le sixième repère, qui fait office, je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, d'introduction et d'épilogue à la fin du jeu. Donc c'est une sixième époque qui est en gros, enfin, le présent. Et donc, il faut y penser aussi. De la même manière, il y a un refuge au présent, donc il faut ouvrir la carte de la même manière. Donc ça, j'entre pas dans le jeu, mais voilà, il faut battre le score. Et à côté, ici, le mini-jeu de ping-pong. Donc, vous pouvez jouer comme ça une partie. Et il y a un trophée pour faire un échange de 20 coups. Donc, c'est pas 20 points, hein. Là, par exemple, je sais pas, Bentley tape, ça fait 1, moi je tape, donc 1, 2, 3, 4, 5, là on est peut-être à 10, j'en sais rien. Vous faites un échange de 20 coups comme ça, que vous le gagnez et que vous le perdiez, on s'en fout complètement. Vous voyez, vous tapez tout simplement, c'est super simple. Une fois que vous comptez comme ça, une fois que vous êtes à 21 ou 22, voilà, vous pouvez quitter directement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là j'ai gagné le point. Je quitte. J'ai pas compté, mais voilà, il suffit de faire une vingtaine d'échanges. Pas de points, encore une fois j'insiste. Et puis le faire dans chaque refuge, et ça vous fait un trophée. Et ensuite, ça c'est pour voyager dans le temps. Ensuite, l'autre, il y a une autre chose pour. Enfin, il y a une autre rubrique, on va dire, dans le menu. C'est les différents costumes, mais je vous les montre pas pour pas vous spoiler. Donc on va. Oui, important, vous pouvez rejouer les missions. Si vous avez loupé des masques, si vous avez loupé des cartes à ouvrir dans certaines missions, vous pouvez rejouer les missions de toute façon dans les menus. C'est. Donc il n'y a pas vraiment de. Il n'y a aucun trophée qui peut être loupé dans le jeu. Par contre, voilà, ça, si vous oubliez, tout de suite ça devient un petit peu plus long de fureter un petit peu dans tous les niveaux. Alors. Donc c'est à Paris, hein, vous connaissez hein, d'habitude, enfin c'est comme d'habitude dans la série Sly. Donc ça c'est le présent, pour éviter de spoiler, pouf, pouf, voilà, directement une deuxième. Bon, il n'y a que 5 époques, mais bon, évidemment, vu le type de vidéo, ça spoil un petit peu. Mais il y a de quoi faire, hein, j'ai peut-être mis. Allez, je dirais au minimum, il faudrait 15 heures pour platiner le jeu. Comme j'ai fait l'aventure vraiment en regardant toutes les. En profitant bien de l'histoire, sans trop chercher les trophées d'abord. Voilà, j'ai dû mettre à peu près 20 heures, 20, 25 heures. J'ai vraiment pris mon temps, hein, mais je dirais une quinzaine d'heures minimum pour avoir le platine. Alors ensuite, quel trophée je n'ai. De quel trophée j'ai pas trop parlé. Oui, pendant qu'on est là, quand vous appuyez sur triangle ici, vous accédez au voleur net. Alors, voleur net, c'est toutes les améliorations de gameplay que vous pouvez acheter pour tous les personnages. Vous en avez pour Sly, vous en avez pour enfin, tous les personnages, Bentley, Murray, Carmelita, pas pour les ancêtres. Et donc, il y a un trophée pour tout acheter. Voilà. Donc, bon, c'est pas compliqué, hein, honnêtement. Le fric, voilà, j'ai 13 000, je sais plus quoi en foutre. Donc, bon, là, il n'y a pas de difficulté. Utilise la boussole. Ouais, donc ça, je vais aller dans le. Dans la zone ouverte pour vous montrer un petit peu. Parce qu'après, ce sont des trophées liés plutôt au gameplay.
Alors, je vous parlais des costumes. Vous avez un trophée pour débloquer votre premier costume. Donc, en gros, c'est dans le scénario, hein, c'est pas compliqué. Il ne s'agit pas d'un ancêtre, hein, c'est vraiment un costume alternatif pour Sly qui vous permet d'accéder à des zones un petit peu plus secrètes ou voilà, des spécificités de gameplay qui vous seront utiles dans les niveaux. Donc, un trophée pour avoir un costume, un trophée pour avoir tous les costumes. Ça, pas compliqué. Mais après, pour tous les objets à collecter, hein, ça j'en parle pas. Quand vous récupérez les trésors, vous aurez d'autres trophées en lien. Donc par exemple, ouvrir, enfin débloquer une zone secrète avec un costume. Enfin, où un costume est nécessaire pour la débloquer. Quoi d'autre? Alors, avec Bentley, il y a un trophée un petit peu particulier. Là, on est dans la zone western. Oui, un autre élément de gameplay. Quand vous appuyez sur le joystick gauche, ça vous montre une boussole. Vous voyez que ça fait apparaître votre argent et les bouteilles, mais ça fait apparaître aussi une boussole au pied de votre personnage. Là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a plus de mission en cours. Mais en gros, ça fait apparaître le refuge là-bas. Là, voilà, là, le petit élément, là, on voit refuge en haut. Ça fait apparaître ça. Et ça fait apparaître une flèche donc au pied de votre personnage. Vous avez un trophée pour faire apparaître je sais plus combien de fois la boussole. Donc je sais plus, c'est pas mis explicitement dans le trophée, mais il faut le faire un nombre de fois assez important. Je sais plus si c'est 200 ou 500 fois, enfin c'est quand même assez costaud. Mais donc vous appuyez tout le temps sur le joystick gauche. Voilà, et puis ça se débloque rapidement. Parce que la boussole, en soi, on n'en a pas tellement besoin. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, ce genre de trophée. Et avec Bentley, il y a un petit trophée particulier. C'est de mettre 60 bombes dans les poches d'ennemis. Pour ce faire, vous restez sur triangle enfoncé, comme ça. Il va s'approcher discrètement. Et hop, ça met une bombe. Pour aller plus vite, il y a une amélioration que vous pouvez acheter sur voleur.net qui consiste en gros à pouvoir mettre plusieurs bombes avant de la faire exploser. Donc, vous en profitez pour en mettre plusieurs, vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Vous en mettez 5 dans la poche du même ennemi et ensuite vous faites tout exploser en faisant la touche R2. Et donc plutôt que d'arriver aux 60 un par un, enfin avec 60 ennemis, vous avez besoin que d'une quinzaine d'ennemis, quoi. Hein, donc, 5 fois 12, 60, 12 ennemis. En admettant que il y ait peut-être une bombe qui marche pas ou que vous ayez un peu de mal, voilà, une quinzaine ou une vingtaine d'ennemis au max. Et le trophée est à vous. Donc rien de compliqué. Je vais retourner au refuge. Et on va prendre un autre personnage pour un trophée spécifique. Donc ce qui est un peu dommage, c'est les chargements du coup hein, dans ce type de vidéo. Surtout dans ce jeu où ils sont assez longs. Mais bon. Je vérifie. Oui, après, c'est des trophées un petit peu spécifiques. Donc, Murray, il y a un trophée spécifique également. En fait, il y en a un pour chaque personnage principal. Et ensuite pour les ancêtres, il n'y en a pas tellement. J'ai pas souvenir. Si, il y en a un pour justement l'ancêtre dans cette époque-là, dans l'époque western. Mais c'est super simple. Encore une fois, chargement. Alors pour Murray, donc lui c'est plutôt Monsieur Muscle. Hein. Donc on se balade ici. Alors hein, voilà un ennemi. Le principe avec Murray, c'est de faire la touche rond pour mettre l'ennemi comme ça. Et ensuite de faire triangle pour l'écraser. Donc ça, je me rappelle plus si c'est un coup qu'on a dès le début. J'ai un petit doute.
Sinon, faut l'acheter sur VolerNet, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, le principe, c'est qu'il faut écraser 100 ennemis. 100 ennemis, comme je me suis gouré sur la liaison. 100 ennemis de cette façon-là. Voilà. Et ça aussi, hein, ça se fait assez vite. Donc, encore une fois, retourner au refuge. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu décousu hein, comme vidéo, question gameplay, hein, forcément, je suis obligé de. Et puis, je vous ai pas fait d'autres vidéos sur ce jeu, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que j'ai voulu profiter à fond du scénario, du jeu, etc. Et voilà, du coup, bon. Quand j'aurais pu vous en faire, c'est vrai que ça faisait du coup très longtemps qu'il était sorti. Donc, je ne l'ai pas fait, mais bon. Alors avec Carmelita, je vais pas vous montrer, il y a un trophée spécifique, il faut aller dans la troisième époque, c'est-à-dire l'époque préhistorique encore une fois. Vous avez des pingouins qui se baladent dans la zone ouverte, et il faut tout simplement dégommer 40 pingouins avec votre flingue, là qu'on voit, le rouge et jaune. Donc voilà, en sachant qu'il n'y a pas 40 pingouins sur la carte, donc il vous faudra plusieurs fois. Voilà, vous revenez dans le refuge, vous ressortez dans la zone ouverte, et en plusieurs fois vous devriez avoir le trophée. Et avec Tennessee Cooper. Bon, on va le prendre comme ça. Je vais vous montrer du gameplay. Le reste, je vous en parlerai sans le montrer. Encore une fois, je vous donne des éléments de réponse, des astuces. Pas les réponses, hein, ce serait trop simple. Mais vous voyez qu'en bas, il faut vraiment tout avoir 100%. De toute façon, il n'y a pas vraiment de secret. Vraiment tout avoir 100, à 100% pour avoir le trophée platine. Ce que je peux vous donner comme astuce, c'est des conseils pour aller un petit peu plus vite. Mais voilà, ou à part la petite zone secrète que je vous ai montrée au début, voilà, des choses qu'il faut pas oublier, mais sinon il n'y a pas, y a rien de sorcier, hein, c'est pas compliqué. Encore une fois, c'est un jeu qui est fait pour tous les publics, et donc voilà, les trophées sont pas si difficiles que ça, ça s'adresse aussi à un public jeune. Donc voilà, donc Tennessee Cooper. Ça apporte, du coup, vous avez Sly, Bentley, Murray, Carmelita, plus 5 époques, donc 5 ancêtres. Plus le présent, donc voilà, donc ça vous fait une dizaine de persos jouables, hein, donc ça apporte une diversité de gameplay très intéressante qu'on voit pas dans, enfin qu'on voit dans peu de jeux, hein, donc avec lui, il y a un trophée particulier qui s'appelle Ancient Warfare 3, référence à Modern Warfare 3 évidemment. Quand vous appuyez sur R2, c'est votre pouvoir particulier. Donc ça consomme la jauge de pouvoir hein, en dessous du symbole du personnage. Et donc voilà, vous pouvez marquer les ennemis comme ça. Et quand vous ressortez du pouvoir, vous tirez dessus. Le principe, il faut buter 10 ennemis comme ça en 1 minute. Voilà. Donc il y a des niveaux qui sont pas mal pour le faire. Dans la zone ouverte, c'est faisable. Mais vous aurez peut-être un petit peu plus de difficultés. Voilà. Sinon, c'est très faisable, hein. Donc c'est tout pour les trophées spécifiques. Alors ensuite, les seuls trophées dont j'ai pas parlé, je vais me mettre en hauteur tranquille et puis regarder vite fait la liste pour être sûr. Et ensuite, je vous ferai un petit peu de gameplay. Enfin, on va se balader. Donc on va se mettre là avec ce super soleil, les vautours. Je sais pas ce que c'est, enfin des piafs. Bref. Donc, je revérifie sur ma liste. Bon bah tous les éléments à collecter. Alors, il y a des trophées qui sont spécifiques à des niveaux particuliers. Battre le premier boss, enfin le boss de la première époque, du premier monde, c'est-à-dire pas le présent, hein, qui sert d'introduction encore une fois, du didacticiel, mais ensuite dès que vous voyagez dans le temps, donc vous accédez à la première époque, donc battre ce boss-là sans perdre de vie. Si vous ratez, si éventuellement vous vous faites toucher, start, retour au point de contrôle, c'est-à-dire au point de sauvegarde, au checkpoint, retour au checkpoint. Donc vous pouvez toujours le faire et ça comptera. Enfin voilà, si vous vous faites toucher, vous faites ça. Et puis ça vous permettra de ne pas faire le niveau depuis le début. Ensuite, termine. Le mini-jeu d'archerie sans jamais toucher tes amis. Mini-jeu dans l'époque numéro 4 où vous devez buter des ennemis avec un arc et une flèche
C'est un mini-jeu, vous voyez, de tir, comme ça, comme dans les fêtes foraines. Il faut buter les ennemis sans toucher les personnages amis, c'est pas compliqué. Ensuite, dans l'époque 4 aussi, il y a un niveau où vous devrez grimper une tour, j'en dis pas plus. Il faut grimper cette tour, donc c'est dans la mission Menace Mécanique. Voilà. Grimper la tour en moins d'une minute. Non, de 1 minute 30. Pardon. Voilà. Donc, alors ça, c'est le seul niveau où le retour au checkpoint ne marche pas parce que il faut grimper toute la tour. Ce qui fait que si vous recommencez au checkpoint, ça vous mettra au milieu de la tour. Et donc, ça pourra pas compter. Donc, faut vraiment la tour de A à Z. Là, vous êtes obligé de recommencer le niveau. Le niveau de l'entraînement dans l'époque numéro 3, l'époque du Jurassique, enfin de préhistorique, terminer un entraînement parfait, c'est-à-dire sans aucune erreur. Là, le retour au checkpoint marche. J'en dis pas plus à chaque fois parce que c'est un trophée explicite, il vous suffira d'aller dans la liste. Et voilà, vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. Encore une fois, faites le jeu, le scénario, sans vous préoccuper des trophées, c'est ce que je vous conseille pour profiter à fond du jeu. Et ensuite, vous refaites le niveau, c'est pas grave. Pour ce type de niveau-là, vu qu'il y a un retour de checkpoint, vous avez juste à refaire le niveau et puis c'est bon. Ensuite, un trophée spécifique à Sly que j'ai oublié, c'est pas un niveau. Quand vous sautez comme ça et que vous faites la touche R1, là, ça ne fait pas parce que l'ancêtre n'a pas cette capacité. Mais vous avez un espèce de parachute, comme on avait le tapis au début de la vidéo pour l'ancêtre. Lui, il n'en a pas. Mais pour Sly, il a un espèce de parachute. Et vous avez un trophée pour utiliser le parachute pendant 10 secondes d'affilée. Donc il faut vraiment trouver un point élevé. Dans cette époque, je pense pas qu'il y en ait d'assez élevé. Mais dans l'époque 3 ou 4, c'est assez simple. N'hésitez pas. Alors par contre, il faudra sûrement mourir pour avoir le trophée, parce que si vous êtes du point haut comme ça vers un point bas, mais de la zone ouverte où vous mourrez pas, je veux dire sur la terre ferme, eh bien vous aurez peut-être que 8 ou 9 secondes. Mince, je me suis fait griller. Vous aurez peut-être que 8 ou 9 secondes, et donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué à trouver vraiment une zone propice pour ça. Donc n'hésitez pas à aller dans le vide, et là ce sera super simple. Est-ce qu'il y a d'autres niveaux? Un niveau de danse qui se fait avec Carmelita, où il faut appuyer sur les bonnes touches au bon moment, à faire sans aucune erreur. Là, il n'y a pas de checkpoint dans le niveau, ce qui fait que vous serez obligé de recommencer dès le début. Un niveau où vous serez Bentley et où vous devez... Enfin, c'est un mini-jeu dans un bar, j'en dis pas plus. Là encore sans aucune erreur. De toute façon, ces trophées-là sont vraiment très explicites. Donc ils vous donnent un petit peu le lieu où ça se trouve. Et donc si vous avez fait le scénario, voilà, vous vous rappellerez forcément de quel niveau il s'agit. Soit ça dit carrément le nom de la mission. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je vais me balader un petit peu. Là, on peut pas trop aller. Prendre quelques ennemis pour vous montrer ça, pour vous montrer du gameplay, des coups un petit peu différents. Non, c'est un jeu super sympa en tout cas. Donc avec Bentley, c'est un truc dans un bar, il faut faire aucune erreur aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec Bentley aussi, un moment où vous pilotez un hélicoptère télécommandé. Il faut terminer la séquence, donc ça c'est dans l'épisode 5, la dernière époque. Dans la dernière époque, il faut vraiment... Mince. Parce que souvent ça permet de buter l'ennemi ce coup-là. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont des mouvements assez sympas, hein. Il y a pas mal d'animations. Non, c'est un jeu excellent. Hein. De toute façon, je saurais que vous le conseillez. L'hélicoptère télécommandé, ouais, il faut faire aucune erreur. Ne pas se faire toucher dans toute la séquence. Donc là, retour au checkpoint peut marcher.
Alors, pour les niveaux, mince, je vais vérifier. Ben voilà un exemple de coffre. Voilà, hein, dans cette époque-là, comme ça, vous l'aurez vu. Ben je crois que j'ai fait le tour pour les trophées spécifiques à des niveaux. Alors, trophée spécifique, se battre avec une arme secrète. Je vous ai parlé des masques de Sly à collecter. Alors là, c'est aussi un truc important. Les masques de Sly à collecter. Une fois que vous avez... Il y en a 60. Une fois que vous en avez 50, dans les bonus, vous aurez des éléments à débloquer. Donc en fait, vous voyez, vous en avez pour 5, 10, 15, 20, etc. Donc ça, c'est des costumes alternatifs. Ou le paraglisseur, c'est justement le parachute. Une apparence, un skin différent pour le parachute. Mais à 50, vous avez la clé de Ratchet que vous pouvez prendre. Et à 60, l'amplificateur de Cole. Cole, qui est le personnage des Infamous. Donc le principe, vous mettez oui. Ici ou ici. Ça mettra une arme alternative à la place de la serpe. Pas pour l'ancêtre évidemment, hein, parce que c'est une serpe spéciale, mais pour Sly Cooper, le personnage principal. Et donc, il faut utiliser cette arme spéciale, soit la clé de Ratchet, soit l'amplificateur de Cole, dans un combat. Donc vous allez sur n'importe quel ennemi et vous le bastonnez, et c'est bon. Ensuite, bah, je crois que j'ai fait le tour. Tuer discrètement 15 ennemis sans alerter personne, ça c'est tout simple, c'est avec n'importe quel personnage triangle plus croix, enfin pas triangle et ensuite croix, donc là je fais triangle et ensuite croix, voilà, là, bim, c'est tuer discrètement un ennemi. Donc ça marche avec tous les ancêtres de Sly ou Sly, en sachant que je pense qu'avec les bombes qu'on met dans les poches avec Bentley, ça marche aussi. Et dernier trophée, je crois, je revérifierai tout à l'heure, on peut voler les ennemis comme ça, quand on est discrètement derrière eux, on fait la touche rond, et avec la serpe, on chope dans leur poche ici des pièces. Quand la poche brille, comme c'est le cas ici, ça veut dire qu'ils ont des. Ils peuvent ils ont des objets dans la poche qu'on peut voler. Donc vous voyez, là j'ai fait plusieurs fois, ça vole des pièces. Et donc, vous refaites ici. Et ça vole un objet. Le principe, vous avez vu ici, valeur 100. Ça me donne 100, 100 pièces, 100 pièces d'or, on peut appeler ça comme ça. Et donc, vous avez différents objets. Pour chaque époque, vous avez trois objets différents. Un objet qui est, on va dire, courant, c'est celui à 100 $ comme je viens de voler ici. Un objet qui est un petit peu plus rare, un petit peu plus inhabituel, on va dire ça comme ça, qui vaut 200. Et un objet rare qui vaut 500. Donc vous avez trois objets différents comme ça par époque. Donc 5 x 3, 15, plus trois objets pour la période du présent. Donc que vous pouvez voler sur les ennemis dans l'intro ou dans l'épilogue à la fin du jeu, et sur quelques rares ennemis qui sont disséminés comme ça dans les époques aussi. Mais ils sont très très rares. Dans les zones ouvertes, je pense pas qu'il y en ait. Il y en a dans certains niveaux comme ça dans le passé, mais seulement dans certains niveaux. Donc c'est plus simple à faire en fait dans l'intro ou dans l'épilogue. Et donc vous avez un trophée pour vendre, pour voler un exemplaire en gros de chaque objet. Voilà. Donc aucun moyen, encore une fois, c'est un petit peu comme les cartes, aucun moyen de savoir lesquelles vous avez déjà volé. Donc bon ben c'est au petit bonheur la chance. Ou ce dont vous vous rappelez quoi le plus. J'en profite un petit peu pour visiter le temps que je check la liste pour voir si j'ai rien oublié. Donc à part ce trophée, là encore je vous donne pas trop de réponses, mais il y a de fortes chances que celui que vous avez loupé, c'est ceux du présent. Parce que bah, on a peu d'occasions finalement d'en voler. Et puis on n'a surtout pas le réflexe de le faire pendant l'intro. Donc c'est sûrement ça qui vous manquera à la fin.
Vous pouvez rejouer l'intro hein, et l'épilogue, donc là encore, vous rejouez les niveaux, ça étend un petit peu, ça vous demande un peu plus de temps pour platiner le jeu, mais aucune difficulté. Je vérifie vite fait la liste, le reste, bah, c'est lié au scénario. Voler 10 objets uniques. Donc justement, il faut tous les voler pour avoir un trophée, mais vous en avez un trophée pour en voler un certain nombre, donc ça j'en parle pas, hein, c'est tout simple. Et puis... Eh bien, il ne m'en manque plus que un. Ouais, il me manque plus qu'un trophée. À vous développer, enfin à vous expliquer. Donc ça, on va retourner au refuge. Non. Je vais vous montrer du jeu parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être dans le refuge. Donc je vous ai parlé des bornes d'arcade. Les bornes d'arcade. Si, bah on va retourner au refuge et puis je vais prendre Sly histoire de terminer. Les bornes d'arcade, ce sont des mini-jeux, je vous ai dit, il faut battre le score. Il y a un trophée pour... Enfin, il y a un certain... Il y a plusieurs types de mini-jeux, on va dire ça comme ça. Les mini-jeux où vous contrôlez une boule et qu'il faut piloter en bougeant la manette, ça, étant donné les approximations de la reconnaissance de la manette, c'est pas toujours évident. Alors, on va prendre Sly. Il y en a un autre. C'est du shoot'em up en contrôlant un espèce de Bentley, vous savez, la tortue comme ça, mais avec un jetpack comme ça, on se déplace dans le niveau. Et donc ça, c'est pour ce type de mini-jeu qu'il y a un trophée spécifique. Le principe du mini-jeu, c'est de choper des power-up, on va dire ça comme ça, dans le niveau, des espèces de symboles jaunes qui vous permettent d'augmenter de niveau. Plus vous augmentez de niveau, c'est comme un shoot'em up, donc vous avez plus de missiles, plus de choses comme ça, et ça devient plus facile. Vous avez aussi des boucliers, des choses comme ça. Et donc, vous augmentez de niveau, ça vous fait un multiplicateur de score aussi, et vous pouvez monter jusqu'au niveau 10. Niveau 10, tous vos points sont comptés x10, etc. Et vous êtes quasi intouchable. Donc pour battre le score, évidemment, le principe, c'est d'avoir des améliorations à fond. C'est d'être niveau 10 le plus tôt possible. Et de choper plein de points comme ça, vu que c'est un multiplicateur. Mais vous avez un trophée spécifique qui est de terminer un niveau comme ça, de ce mini-jeu, sans aucune amélioration. Donc évidemment, ça marche pas pour le trophée, pour le trophée du score. Mais... ça vous fait un trophée spécifique. Donc ça, faut y penser. Voilà, c'est tout. Donc c'était le dernier trophée dont je voulais vous parler. On va profiter pour le buter comme ça, lui. Hop. Et bim. Oh, ça l'a pas buté, tiens. Pas très puissant. Lui, il jette ses bâtons de dynamite. Bon, il y a pas mal d'animations étant donné que encore une fois il y a 10 persos jouables, qu'il y a plein de coups à débloquer pour les personnages principaux sur VolerNet. Il y a une diversité de gameplay très intéressante. Et donc diversité d'environnement aussi. Là je vous ai montré deux époques. Je vous montrerai pas les autres. Et je vous dis pas, à part celle du préhistorique, je vous ai dit ce que c'était. Les deux autres époques, je vous dis pas ce que c'est, mais c'est très sympa. Avec un ancêtre de l'époque. Et donc avec un gameplay, tiens, bah, je vais vous montrer le principe des costumes. Hop, vite fait. Costume d'archer. Hop, on peut utiliser ça comme ça. Donc c'est ce costume d'archer qu'il faut utiliser pour le mini-jeu. Je vous parlais tout à l'heure avec arc et flèche où il faut buter des ennemis mais pas les amis. Un peu à la fête foraine, là, comme ça. Et ben, ouais, c'est ce costume qu'il faut utiliser. Donc les costumes, ça sert pour aller dans des zones secrètes. Donc là encore une fois, vous utilisez l'arc et flèche, vous allez là-bas, hop, et puis là-bas derrière, il y a une porte où vous avez un trésor. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Bon, c'est...
C'est assez intéressant. Donc vraiment un excellent jeu. J'ai fait le tour hein, de tous les trophées. Encore une fois le principe, hein, c'est pas les réponses, hein, c'est pas les solutions, parce que c'est pas drôle. Tiens, lui, il a un truc, vous voyez la poche qui brille comme ça. C'est un élément à voler, j'espère que la locomotive va pas arriver derrière. Encore une pépite d'or. Dommage. Enfin dommage. Je les ai tous donc c'est pas grave, mais c'est ceux qui valent le moins. Attention au train parce que ça vous bute. Et j'en profite pour vous montrer, voilà. En appuyant sur R1, c'est ça l'espèce de parachute. Et donc 10 secondes à rester comme ça. Voilà, voilà, j'ai fait le tour. 3 quarts d'heure, c'est la longueur habituelle hein, pour ce genre de vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous aura été utile. Bon, c'est le lot de ce type de vidéo. Je suis obligé de vous montrer pas mal de menus. C'est un petit peu décousu question gameplay. J'essaye de vous montrer 2-3 coups comme ça pour diversifier un petit peu le visuel. Mais c'est vraiment des vidéos explications. De toute façon, je reste aussi très approximatif. C'est volontaire pour pas trop spoiler. Mais je vous en dis un petit peu pour évidemment donner envie à ceux qui n'ont pas fait le jeu de le faire, parce que c'est vraiment un excellent jeu. Je l'ai dit une dizaine de fois au cours de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère en tout cas que ça vous a été utile, que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, ça met en avant mes vidéos. Un petit abonnement si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le trailer du film en préparation. On sait d'ores et déjà qu'il y a 2 suites prévues. Enfin, que ça doit être une trilogie. Et donc voilà. Que du bon à venir pour cette licence. Donc c'est super. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.